Salut à vous tout le monde. Est-ce que le micro semble fonctionner? Oui, tout fonctionne. Salut, comment allez-vous, chers gens qui sont dans le stream ou qui sont sur... J'ai un petit cadrage à refaire là, ici. Là, ça va pas. Alors, ben, bienvenue. Oh, allô Alix, bienvenue sur ce stream de la Belgique. Eh ben, ici, on est au Québec. Mais bonjour de la Belgique. Comment ça se passe pour vous là-bas? Est-ce qu'il fait froid? Ben, si je m'appelle Louif. Ça me fait plaisir d'être là et de vous accueillir dans ce stream aujourd'hui pour découvrir des jeux gratuits, jouer cassé. Je sais pas si c'est une expression typiquement québécoise, être cassé, c'est-à-dire. Un peu froid, mais pas autant que chez vous. Aujourd'hui, c'était quand même pas si pire. Donc, je sais pas si ailleurs dans la francophonie, quand on dit qu'on est cassé, qu'on n'a pas d'argent, c'est-tu juste au Québec qu'on dit ça? En tout cas, bref. Jouer cassé, petite série de streams et de vidéos qui vont se retrouver aussi sur YouTube, dans lesquelles je veux faire le tour, en fait, je veux vous faire découvrir, en fait, des jeux gratuits. Ces derniers temps, j'avais pas beaucoup de sous. Alors, j'ai décidé là, de trouver des jeux qui étaient gratuits, qui étaient intéressants. Et là, je vais jouer à Palia. Et non, ce n'est pas Palworld qui coûte une trentaine de dollars. Bon, je n'avais pas encore le budget pour l'acheter. Ce n'est pas Palworld, c'est Palia. C'est un petit jeu d'ailleurs que je peux. Je voulais vous montrer. Si on s'en va ici. La page dans le magasin, juste pour qu'on regarde un peu qu'est-ce que le jeu nous promet et voir un peu est-ce que ça vaut la peine de passer du temps dans ce jeu gratuit. Parce que parfois, hein, c'est du pay to avoir du plaisir. Hein? Donc, on va vérifier un peu si c'est ça. Je l'ai commencé, donc on verra pas toute l'introduction du jeu, mais je pense qu'on est justement au moment où ça devient intéressant. Dans ce type de jeu, c'est un jeu de farming. Ça ressemble vraiment à Animal Crossing là, dans le genre. Par contre, c'est un MMO. Donc, il y a d'autres joueurs là, qui jouent autour et on doit aller chercher là, des missions un peu partout. Mais on est vraiment plus dans la construction, on n'est pas dans l'aventure ou dans les combats, pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai vu. Et ben, c'est un peu ce que nous dit la présentation du jeu. Explorer un nouveau monde avec Palia, un MMO de simulation gratuit, cuisiner, pêcher et labourer la terre, en vivant la vie de vos rêves, plonger dans une aventure magique, rencontrer des personnages aux couleurs et percer le mystère de la civilisation perdue. Donc, on apparaît dans ce monde-là un peu à la. On apparaît là, dans le monde. Là. Je veux que ce que ça... Comment dire autrement? Faites ce que vous aimez, abonnez-vous à la pêche, là, dans Palia, vous pouvez vivre la terre comme vous l'entendez. Prenez soin de votre maison, cultivez votre jardin ou partez explorer. Ah, mais là, c'est ça, il y a l'exploration, j'ai pas commencé encore. Pour trouver des objets, des créatures rares, une aventure en constante évolution. Donc, c'est tout nouveau aussi, hein, fait que c'est peut-être un bon moment de commencer dans le jeu d'ailleurs. Ben, il y a de la construction, on doit trouver des mains. Jouer en solo ou avec vos amis, Palia est une communauté amicale et sympathique qui vous accueillera toujours à bras ouverts. Découvrez un monde magique rempli de nouveaux amis et de nombreux autres joueurs. Bon, bref, c'est gratuit. On joue à ça sur la Switch pour l'instant. Ça va sortir sur Steam aussi éventuellement, je ne sais pas quand. Voilà. Donc, je conseille de ne pas le jouer en petit en mini, j'ai essayé un peu de jouer en mini, mais il y a beaucoup d'écriture. C'est pour ça là, que je voulais l'essayer avec vous, avec l'écran devant moi. Puis sinon, j'ai pas d'autres détails peut-être à dire sur ce jeu. On va aller tout simplement y jouer. Oh, bon. Et ça a été assez pour me déconnecter du réseau. Donc, pour l'instant, les bugs que je vois, c'est vraiment lié plus à la connexion avec les réseaux que d'autres choses. Je baisse le son un peu. Puis je trouve que la musique est bonne quand même. Je trouve qu'on a quand même du plaisir. Oups, pardon. J'ai hâte d'abord avec les menus. Je pense qu'il va falloir que je me tasse la face.
Sinon, Alex, qu'est-ce que tu as fait de ta journée soirée? On est pas mal fin de soirée chez vous, je pense. Alors, si moi, je le trouve vraiment beau. La musique ressemble un peu à certains de Zelda Breath of the Wild. Ok, cool. Intéressant. Je trouve beau, le jeu, pour vrai. Et là, ici, ben ça, vous voyez, j'ai comme un peu mon camp de base de fait. Fait que, tu sais, c'était vraiment juste le début, là, tu sais. Ah, je pense que ma face est à bonne place. C'est juste la discussion, fait que... Voilà. Ah! Mon inventaire est plein. Oups. Fait que je pense que j'ai un coffre ici. Ah, voyez, là. Ah, je vais pouvoir améliorer mon sac éventuellement. Ah, j'allais voir. T'as bossé 9h-17h puis manger des wraps chez moi. Nice, manger des wraps. Manger, c'est la vie. Ah, bon, ben, je peux faire des champignons grillés. Je pensais que j'aurais peut-être pu faire. J'avais de la viande, mais. Alors ça, c'est du silex, de la pierre, un vieux machin. Donc, il y a toute une histoire de découvrir des artefacts ou en tout cas des choses comme ça, là, fait que savoir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, là, c'est ça. Il faut que je vende des trucs parce que là, il me manquait d'or pour. Est-ce que ça, c'est. Ok, bon. Il me manquait d'or pour acheter le plan, là. C'est juste pour vous dire à quel point on est au début de l'aventure. Faut que j'aille la recette de ma fonderie pour faire des briques, puis de la scierie pour faire des planches. Fait que, tu sais, on est quand même pas mal au début, là. Vous allez voir que les contrôles ne sont pas du tout. Yes, vendre pour plus de monnaie dans les poches, certains. Mais donc, vraiment, l'argent à quoi j'en ai besoin, c'est pour acheter justement les plans, là. C'est ça ma prochaine mission. Pour acheter les plans. J'ai l'impression que le jeu. Le son du jeu est un peu fort, mais c'est peut-être juste ma perception. Du coup, Alex, tu. Si tu vois que ça enterre ma voix, fais-moi signe. Donc là, on a une maison. Tu sais, c'est un peu, encore une fois, comme Animal Crossing. Là, on a une maison. Il faut venir porter des planches et des briques. Puis une fois ce fait, ben, on va avoir notre maison là, qui va pouvoir être construite. Et là, il semblait me dire que je pouvais, dans la boîte aux lettres. Louis Fourche, l'autre jour, mon hameçon a attrapé un drôle de poisson. Je dois réaliser qu'il ne s'agit pas d'un poisson, mais d'une ancienne enveloppe pédestre en cuir. J'ai mis l'enveloppe de côté. J'ai découvert qu'une petite vie consommatrice de soleil poussait quelques jours plus tard. Ah, c'est parce que c'est un robot qui nous parle, c'est ça. Sa détermination et sa nouveauté dans le monde m'ont fait penser à toi. J'ai demandé à Oni de te livrer. Ils ont des beaux personnages pour vrai, pour l'instant. Son jeu, ta voix. Ok, super. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Là, on est vraiment dans le même genre de jeu. Là. Mais qui ne coûte pas une scène. Là, il semblait me dire que je pouvais vendre des trucs. Ah, c'est avec ça? Ah, boîte de vente. Ta bourse commence à s'alléger. Dépose des objets dans la boîte de vente. Ils seront bientôt vendus. Les articles sont récupérés pour la vente chaque matin et chaque soir. Tu recevras le paiement où que tu te trouves. Une petite balade en ville. Les boutiques achètent le même type d'objet que ceux qu'ils vendent tant que tu les visites pendant les heures d'ouverture. Super, bon. Fait que là, on peut vendre à partir d'ici. Ce que je vais faire, je pense. C'est les points de concentration. Ok, poisson grillé. Ça, c'est si je le mange. Ok. Ça, je peux les manger.
Non, pas du tout. Je suis vraiment là, dans les premiers balbutiements. Je sais qu'on peut mettre des meubles, c'est nous qui la meuble. Puis il y a plein de plans et de trucs disponibles, mais à quel point? La réponse c'est à quel point? Non. Pergola peut offrir des ondes. Ah, personnellement, cet objet ne peut pas être vendu. Ok. Ben, je vais vendre. J'avais pêché quelques poissons. Je pense que c'est ce que je vais vendre. Puis je pense que je vais vendre quelques carottes. Parce que j'ai besoin quand même de 200$. Mais on va aller pêcher et chasser, là. Ça, c'est cool. Les oignons, on ne peut pas les récolter tout de suite. Donc, la concentration, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne pour l'instant. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas fabriquées que je pourrais fabriquer? Bon, c'est ça, regarde, tu vois, là, j'ai beaucoup de chaises, des trucs. Flèches de fortune. Bon, ça, j'avais besoin de flèches. Il y a beaucoup de meubles. Ça m'en a fait combien? 20, je vais en refaire. J'avais plus de flèches. Tantôt, j'ai essayé de chasser et c'était triste. Fait que c'est ça. Ça, c'est comme notre lieu, là, l'endroit qu'on a. Mais. C'est beau quand même comme jeu gratuit, je trouve. Je sais pas si c'est moi, mais. Tu sais, on n'a peut-être pas les animations qui sont le plus débiles, mais je trouve quand même qu'on a une belle qualité graphique. C'est presque plus beau que le dernier Pokémon. Hey, vraiment pas de problème. Vraiment, merci d'être passé, Alex. Puis, ben, écoute, on se reprend. Tu pourras l'écouter sinon sur YouTube, sur ma chaîne Fais un Move. Je mets maintenant les vidéos sur les YouTube. Ah, mais c'est-tu l'entrée, ça? Ah, on dirait pas. J'avais pas fini d'explorer le lieu où j'habite. Qu'est-ce que c'est, ça? On va-tu avoir accès? Ah, je peux remplir l'arrosoir. Ça, c'est un peu étrange. Mais. Ah, ici, je pense qu'on va avoir une ouverture quelque chose à un moment donné. On va voir. J'avais vu. C'est ça, j'ai comme je dis, j'ai pas. On n'a pas le début du jeu, mais. Ça valait la peine, je pense, de faire ça de mon côté. Fallait quand même que j'évalue aussi si ça valait le coup là, d'aller un peu plus loin. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Je pense qu'on peut pêcher. Non, ça c'est. Je me trompe toujours de bouton. Est-ce que j'avais d'autres graines que j'aurais pu planter? Je vais aller voir. C'est de faire du farming comme du monde. Ah oui, c'est ça. Fait que là, faut comme. J'aime cette petite mécanique qui est très satisfaisante. Qui est comme un petit. Gratteux, en fait. Et ça, j'aime beaucoup cette petite mécanique-là que je trouve vraiment plus intéressante que juste de poum, faire apparaître la terre arable, là. Je trouve ça vraiment cool. Est-ce que j'ai des graines que je pourrais planter? Fourrure, ça, c'est pas des graines, ça, c'est des pierres.
Ah, ça, c'est un matériau qui semble être fait pour vendre. Fait que peut-être que je pourrais aller vendre ça tantôt. Ça, c'est quoi? Avec des tapisseries, genre. Qu'est-ce que je fais? Cultive ta propre stevia à la maison grâce à cette jardinière improvisée. Elle contient plusieurs. Ah, fait que ça, je pourrais peut-être la déposer. Hey, je suis désolé, je viens de manger. J'ai des petits. Mais de la stevia, c'est pas du sucre, ça. Ah, placer l'objet. Ah, c'est bien cool. La belle botte, toi. Est-ce que je peux l'arroser? Ok. Je sais pas si je peux interagir avec. On dirait pas. Ok, donc je vais sortir mon arc parce que j'aimerais réussir à être bon à la chasse. Je me trompe de bouton. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est on dirait une boule qui permet d'attraper des insectes. Lorsque l'insecte est touché par une bombe fumigène, il tente de s'échapper. S'il échoue, il devient hébété et peut être ramassé au sol. L'insecte plus rare. Ok, fait que. Ok, c'est à ça que ça sert. Les bombes fumigènes. Je pensais que c'était pour planter des graines. Ok. Donc, j'ai regardé la carte pour me diriger à la bonne place, mais je pense que c'est vraiment par là. Ah non, ici, par là. Ouais, ici, c'est la sortie. Ça, c'est quoi? Ah, pour visiter d'autres amis! Ah, c'est cool, ok. Nice! J'aimerais savoir, j'ai combien d'or? Ah, j'ai pas reçu mon or encore. Bon, fait qu'on va essayer d'aller faire un peu de chasse. Je suis pas très bon dans la chasse en ce moment, à date. Puis on va essayer de vendre un peu là, ce qu'on a réussi à chasser. Le truc avec la chasse, c'est que aussitôt que la personne, l'animal est. Belle jupe. C'est cool, hein? J'ai décidé que mon personnage portait une petite jupe. Mais c'est une chute qui a des shorts en dessous quand même. C'est un très court kilt. Comment ça va, Alex? Bienvenue dans ce concept jouer cassé, où on essaie des jeux gratuits. On dirait que ça l'a pas touché. Ah. C'est cool, hein? Parce que je trouve aussi que dans les jeux gratuits, il y a comme une espèce de oh, c'est gratuit. Est-ce qu'il vaut la peine que je mette plein de temps dedans pour me rendre compte que finalement, faut payer? Parce que lui, il y a quand même des trucs qu'on peut acheter là, in-game. Des genres de monnaie. Hein? Peau de Cyrnuque. Avec c'est un petit jeu, je sais pas si t'en as entendu parler, c'est pas très connu, mais c'est un petit jeu MMO Animal Crossing-y, genre. On est très dans le très cosy. Moi, ton type de jeu peut-être, à ce que me semble, je connais de toi. Mais encore, ça peut être tranquille. Faut qu'il paye des billets. Oui, effectivement, sinon c'est clair. Mais tu sais, des fois, le jeu est super cool, même si on fait pas ces achats-là. Mais des fois, il faut faire ces achats-là pour que le jeu soit cool. Fait que c'est comme un peu la question qu'on va essayer de répondre. Oh, ça va mieux la chasse, là.
L'autre fois, quand je l'avais essayé, c'est que l'affaire, c'est que c'est comme normal qu'il se sauve puis que tu essaies d'aller relancer une deuxième flèche. Mais il y en avait genre 10 ensemble, fait que j'étais comme. C'est lequel que j'ai tiré? Fait que j'étais pas capable de le retrouver. Ah, il y a un papillon là, on pourrait essayer de le pogner. Oups, ça a pas très bien marché. Je le pogne direct dessus. Ah, c'est ça. C'est hot. Bon, mon inventaire est plein. J'allais essayer de vendre des choses au magasin. Ça stack pas beaucoup, hein, le stock. Ah, je pourrais peut-être essayer. Ça, c'est-tu gris? Ah, je vais le manger. Grille du poisson dessus du feu, tu seras un bon repas. Ah, mais il est pas grillé, celui-là? Poisson grillé, ben oui. Ah, peut-être que je peux pas dans ce menu-là. C'est juste comme ça. Aha! Ça, c'est quoi ça? Écurie, voyage express. Ah, ok, puis ça, faut payer. Ah, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. J'allais lancer ça, mais c'est pas ça. Oups, c'était vraiment pas assez loin. Pour vrai, je le trouve quand même beau. Là, il est un peu. C'est un MMO, hein, fait qu'il est un peu. Tu dois avoir des saccades un peu, là. C'est vraiment, on dirait, le chargement qui est, les réseaux et tout. Là, mais sinon, je le trouve quand même beau. La musique est bonne. Tu sais, il y a de la qualité, là. Ding dong! Yes! Ah, ça, ici, il y a des minerais. Je pourrais peut-être essayer de. Oups. Minerai de cuivre. Ok, là je vais aller sur la map parce que je sais pas trop où je m'en veux. Fait que là, ça c'est l'hôtel de ville. Ça c'est Rhett. Faudrait que je trouve. Le bazar, genre. C'est quoi? J'essaie d'aller voir à qui je peux aller vendre mon stock au village. Libère-toi le sac! C'est ce que je me dis. J'ai rien inventé. C'est beau, les éoliennes.
Bon, c'est des éoliennes qui servent à quoi? On le sait pas trop parce que sont pas connectées sur rien pantoute. Système électrique marche par les airs, je pense. On se créerait en Gaspésie, garde. Bon, ici. Non, ici c'est l'hôtel de ville. Je veux de l'argent, je veux de l'or, mon or. La map est-tu accessible avec un raccourci dans ce. C'est comme ça? Ah ouais, c'est ça. Où suis-je? Bon, c'est ça. Fait que ça, c'est l'hôtel de ville. Ok, c'est ça. Magasin de meubles. Bazar. C'est là qu'on veut aller. J'espère que ce sera pas fermé. En route pour Saint-Anne-des-Monts. Embarque dans mon cheval. Dans mon cheval. Sur mon cheval. Je sais pas. Wow! Un autre jeu gratuit que je vais essayer, ben je l'ai déjà essayé mais que je vais faire en stream, c'est Lego Fortnite, qui est vraiment le fun pour vrai. Moi j'ai eu bien du plaisir. Ah, la boutique est ouverte! Ok. J'ai pas acheté, je veux vendre. Bonjour! Hein, c'est quoi? Wow. On est rentré dans le backstore bien illégalement. Illégalement. You, Lego Fortnite? Non, mais c'est vraiment pas Fortnite en fait, là. C'est vraiment un totalement autre jeu, là. On est zéro dans Fortnite. On a un petit bonhomme en Lego, puis c'est un jeu de survie en fait. C'est complètement un jeu de survie là. Mais pourquoi je peux pas vendre des choses? Allô? Je te fais confiance, mais je vais attendre ton stream pour prendre position. Oh, ouais, ben c'est clair là. Je comprends ce que. Je comprends. Mais c'est quand même cool. C'est quand même le fun. Je suis en train de parler, Zach, je suis en train de parler de Lego Fortnite. Ça serait mon prochain. Oui, Palia, c'est le fun, là. C'est très cosy, très relax. On est plus dans le Animal Crossing. Je dirais que dans un, justement, Lego Fortnite ou Minecraft. Ou, on est vraiment plus là-dedans. Là, moi, j'aimerais vendre des choses, mais on dirait que je peux juste acheter. Ça me bug. Parce que j'ai pas de scène. Bon, ben, je pense que je vais retourner chez moi, puis je vais essayer de vendre les trucs dans ma boîte. Mais ouais, sincèrement, moi, Fortnite. J'ai déjà essayé de jouer, mais tu sais, c'est le genre de jeu que. Si t'es pas bon, t'es pas bon. Tu restes pas bon. Je suis pas parti dans la bonne direction. Ah non, ok, c'est un personnage. Il y a des robots qui ressemblent à VMAX, c'est malade. Peut-être qu'on va pouvoir avoir notre propre robot un moment donné, ça serait malade.
Je peux courir, je pense, plus vite que ça. Comment je fais, non? Bonjour. Je sais plus courir plus vite. Je sais plus. J'ai essayé beaucoup de boutons. Ça fonctionne. Je vais me verser un petit verre de juice. Alors, ce stream n'est pas commandité, mais j'adore tellement ce jeu jus-là qui était en spécial cette semaine. Au Maxi. Le jus fruit du verger d'Oasis. Le gros ASMR de vidage de jus dans ma chaudière qui me sert de verre. Bon, mais là, ça approche la nuit. Fait que je pense que je vais me dépêcher d'aller vendre des choses dans ma boîte. Prochain envoi dans 21 minutes. Vente totale. Pourquoi j'ai aucune vente? Je comprends pas comment ça marche. Ah non, ok, j'en ai d'argent, là. Ok, nice. Papillon bleu commun. Ça donne envie de pépi. Désolé. Ok. On dirait que je veux pas vendre tout parce que je vais peut-être en avoir besoin. Mais là, donc, j'ai de l'argent. Ben oui, ok, c'est ça. J'ai eu ma paye de ce que j'avais déjà déposé. Ok. Oh, pardon. C'est juste qu'il faut que je dépose des choses en. Ça, c'est quoi? Grès de cuivre. Prochain objet envoyé à la réserve. Ok. Pourquoi je peux pas? C'est bizarre, ça. Ok, les bois, ça se vend à bon prix. Mais trop plein, ils sont où? Mais quoi, je comprends pas dans mon inventaire. Peut-être si je vais dans l'inventaire détaillé dans le menu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, attends un peu. Ça veut dire quoi? Envoyer à la réserve. Jeter l'objet. Diviser la pile. Ou déplacer, mais je peux pas le déplacer, il me permet pas, genre. Oh. Ah, c'est là que je vois mes niveaux de compétences. Fait que je suis niveau 2 en cueillette, mais j'ai niveau 1 en extraction. Fait que faut que je devienne niveau 2 en extraction aussi. Fait que je pense que je vais essayer d'aller faire ça. Pour aller acheter le plan dont j'ai besoin. Mais il faudrait que je vende des trucs, par exemple, aussi. Fait que je vais vendre le bois. Bon, mais ça, j'ai l'impression qu'il faut que je le jette. Là, j'ai plus... En tout cas, je suis comment ça marche. Qu'est-ce que je pourrais vendre d'autre? Ça? Bon, 10. Ou comme pas à peine, hein. Ça, c'est quoi? Une pierre? Des pierres, j'en aurai besoin. Je vais vendre du cuir.
Pour un bus de sonnerie sauvage, ils n'ont pas l'air de dire que ça va être si utile en crafting. Mais... Puis là, il faudrait que j'aille faire de l'extraction avec ma pioche. Wow, extraction au niveau 2, bon, c'est ça qu'on voulait. So chill! Là, on est la nuit. La nuit est plus courte que le jour. Bon, ça, j'aime ça parce que. Pas être long plus plate. Fait que je vais aller vider quand même relativement mes poches parce que je vais aller pêcher puis chasser. Parce que manifestement. Des oignons. C'est ça, je peux-tu griller des choses? J'ai pas de champignons, ok. Oh, j'ai pas le... Des cornichons. De la moutarde. Des cornichons? Où c'est qu'il y avait des cornichons que j'avais plantés? J'ai manqué un bout là, sur les cornichons. Déplacer la pile, hein, ça serait peut-être moins chiant. Ça, c'est un objet de quête, je vais le garder d'un coup que je passe. Un chapeau, si on veut essayer, pour sa douce rure, c'est vraiment un bon prix. Ça, je peux bien garder ça, je vais mettre ça là. Ok, gars, je vais partir comme ça. Ça, je comprends toujours pas. Libère de l'espace dans ton sac, mais elle est libérée. L'espace dans mon sac, donc je comprends pas qu'est-ce que tu veux que je fasse. Tu parlais des oignons, ça m'a fait penser au riz de la toune aussi. Ah, toi aussi, tu parlais de la toune. J'ai juste dit ça à cause. Mais j'apprécie qu'on partage tous le référent. Oui, c'est ça, exact. Des petits oignons. Là, je commence, je continue à avancer. On est dans le tranquille, relax. Alex, est-ce que t'es tombé dans l'enfer de Palworld? Tombé dans l'enfer, j'exagère pas en tout. Je pense que je vais me dropper un peu. T'as pas de chance encore? Ouais, moi non plus, là. Je pense pas que je vais embarquer, là. Je sens que ça va être un feu de paille, là. Tout le monde capote, puis dans 2 semaines, on entendra parler, mais. À voir. Je sais pas ce que t'en penses, Zach, vu que t'as joué, toi. Bon, là, vous trouvez Odari et Ashura. Je veux le planeur, moi aussi. Je veux le planeur. Ah ouais, hein, tu joues encore à ça. C'est quand même un bon bout. Mais évidemment, évidemment, sur ta chaîne, Alex joue aux fusées, je pense. Ouais, c'est un early access survie crafting. C'est sûr que rendu à la fin, on quittera jusqu'à la prochaine update. Ouais, c'est ça. C'est comme un peu Valheim. Ça me fait penser à Valheim un peu. Il y avait eu un gros hype là, puis 1500
100 heures. J'ai fait. Au début, j'ai lu 15 000 heures. J'étais là, what? On attend encore la prochaine update de Valheim. C'est ça, ça fait penser à Valheim un peu. C'est un modèle un peu autour de comme ça. Là, fait que. Là, ça veut dire que les magasins seront pas ouverts. Hein? C'est plate. Je pensais que c'était la fin de la nuit, mais non, c'est vraiment le début. Ouais, mais tu sais, peut-être que je vais juste pas jouer aussi. Là. J'en joue à plein de jeux de crafting à un moment donné. Genre, je fais encore en ce moment plein de milliers d'heures sur Minecraft qui m'a coûté 10$, là. Fait que tu sais. Ben, pas tout un prix d'argent dans la vie, mais on s'entend que ça va, là. Tu sais, j'ai pas besoin nécessairement de 1000 autres jeux de crafting. Je suis en train d'en essayer un autre d'ailleurs. Ok, fait que la fonderie, ça doit être ici, là. À réparer les outils. Est-ce que mes outils ont besoin de réparation? Ils sont réparés. Oui, c'est beaucoup, là, 1500, mais là, 15 000, j'étais comme. Ça fait-tu 15 000 heures que le jeu est sorti? Non, mais tu sais, j'exagère, mais. En tout cas. Mais c'est un peu roguelike, hein, Alex? Showdown, j'ai jamais joué. Mais tu sais, il y a une rejouabilité, là, vraiment, qui te pousse à rejouer, finalement. Ça vaut les belles phrases creuses. Bon, on va aller chasser. Coudon. Chasser pour pêcher. Le jeu de pêche de celui-là, je l'haïs pas tant. Je suis pas un fan de pêche d'habitude dans les jeux. Oh, il s'est sauvé, le maudit. C'est infini, c'est expression based et c'est des games de 45 minutes. Ah ouais, fait que quand t'es déjà parti dans une game, c'est sûr que tu fais ben pas 1 heure, mais tu sais, 45 minutes là, fait que. Ça, c'est un papillon ou un animal dans ce papillon? Tu joues toujours avec des amis, ouais, c'est ça. Ah! Ok, parce que quand t'es mort, là, tu reviens pas, là. Il y a des cadeaux, je veux des cadeaux. Oups. Ok, fait que les petits. R et L, c'est vraiment du social. Puis c'est vraiment ZR puis ZL qu'il faut que j'utilise plus. On va l'apprendre. Attends une grosse touche. Avant d'avoir une grande éclaboussure, le poisson mordira 3 fois à la quatrième. 3 fois. À la quatrième, maintiens ZR pour commencer à mouliner. Contrôle la zone en bougeant. Ouais, c'est ce que vous comme laisser la zone autour du poisson, c'est quand même cool. Ah, j'avais un. Bon, j'ai trop niaisé. Oh, ok. Une petite écaille. Quand le poisson a remordillé 3 fois, tu m'auras renié. Quand le poisson a remordillé 3 fois, tu tireras sa chevillette. Ah, une quête acceptée. Demi-bouillie. Ah, une recette, mais il y a juste la première moitié. Il faudrait trouver la deuxième.
Ben, j'ai juste la deuxième moitié, en fait. Ah! Voilà! Donc, tu travailles pour un cinéma, tout d'abord, tu dois trouver un oignon panier et puis le mincer. Bon, fait cool. Fait que j'ai trouvé une nouvelle recette, ça, c'est nice. C'est quoi, ça? Ça, c'est un genre de poubelle, je pense. Ah, j'ai pas vu! J'ai pas remarqué! Mais je pense pas que ce soit normal, mais gars comme lui, il marche. Mais des fois, il saute un. Tu sais, il saute un bout, genre. Wow. Tu vas attraper un objet de qualité étoilée. Les insectes et les poissons de qualité étoilée peuvent être placés dans leur propre terrarium et aquarium. Sélectionne l'objet dans la barre d'action. Appuie sur A. J'ai un petit écaille pour mettre dans un aquarium. C'est hot. Ouais, c'est clairement des bugs, là. Je te dirais que la connexion du MMO, c'est le côté technique que je trouve qui a l'air de moins bien aller. L'interconnexion. Plouche. Ah, oups, j'ai accroché le bouton. Bon, c'est perdu. Ouh, on est comme dans la grande... Qu'est-ce que c'est, ça? Il y a une petite, quand même, thématique asiatique, là, avec la musique, les lampes. Un peu d'architecture aussi de certains bâtiments. Ça, c'est un personnage chat. Have you come for style tips? Rufour, ta visite me permet d'émerger de la solitude qui est mon existence isolée, dit-il avec un grand sourire. Quel est ce personnage? Je suis toujours un peu dans le brouillard à cette heure de la journée. Regarde un vampire un peu. T'es-tu déjà arrivé de te réveiller d'un rêve si réaliste que tu n'arrivais plus à le distinguer de la réalité? Wow, c'était tout? Eh ben! Ça, c'est drôle. Ah, peut-être. Tu vas aller shaker l'existence et celui dans le fret. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Alex, j'ai manqué ma prise. Bonne chance. Ça m'a fait plaisir de t'aider à procrastiner. Toujours là pour ça. Mais peut-être que oui, c'est pour le nouvel an chinois, mais... Ouais, ça se peut, pour vrai. J'avais pas pensé à ça du tout, mais... Ah, oh, tu vas aller courir, ok? Tu vas vraiment aller te checker. Bonne chance. Dans les fesses. Pourquoi il est disparu? Ça, ça gosse. Ça fait deux fois que ça me fait ça. Il disparaît. Bon. Ah, on est-tu capable de se rendre là-bas? Un genre de coffre, on dirait. Parce qu'on peut pas aller dans l'eau, ça, c'est sûr. Ouais. C'est peut-être plus quand on va avoir notre genre de glider, là.
sais pas si je peux le cacher. Le chat, on dirait que non. Bon, ben c'est le jour qui se lève, fait que je pense qu'on va pouvoir... Mais là, vu que c'est un MMO, ça veut dire qu'on peut pas skipper le jour et la nuit. Ça, c'est un peu un bug. Ça. Surtout que les magasins sont pas ouverts. La nuit, ok. Un peu gossant. J'ai trouvé de l'ail sauvage. Fait que ça c'est Ashura, mais il dort. Fait que ça c'est un peu plate. Ça c'est Oni. Ça c'est Rhett. Où est Odei? Bon, il arrive. Je vais aller voir Ashura. Peut-être que je peux le réveiller de son dodo. Puis elle est vraiment dolle. Ah, pour moi, le gros ding, c'est l'ouverture des magasins, justement. Le gros ding et ding. Je sais que t'aurais pas le temps de passer mes dire. Ah, fait que même quand tu dors, on peut leur parler. Oh non, qui s'est juste chatté avec. Pardon. Voyons. Et je pourrais-tu juste acheter mon. Ok, c'est peut-être la boutique ouverte. C'est pas là, c'est où le plan? J'ai un plan, je dis. Attendez. Peut-être si je vais dans les quêtes. Ok, pourtant ils sont épinglés, fait que je suis posé les voir. Pourquoi eux sont pas... Il y a des bonhommes avec des petits crochets, on va aller voir eux autres. Ah, hi, tu pars à l'aventure. Tu n'écoutes pas quand je te parle, tu passes ton temps à regarder dans le vide. Gina fait exactement la même chose juste avant de me dire que mon énergie est trop pour elle. Je vais trouver des insectes, bien joué, si seulement j'avais une récompense à vivre, qu'est-ce que tu dis de ça?
Maman m'a fait un gros, trop gros déjeuner et j'ai pas pu le finir. C'est pas super comme récompense, hein? Bon, je sais, tu ferais bien de regarder ta boîte aux lettres tout à l'heure. Mais les meilleures récompenses, c'est les bons moments passés, tu t'en faisais des progrès, pas vrai? Go grab a snack! Quelqu'un d'autre qui veut me parler par là. C'est pas la bonne personne. Oui, désolé. Tu sais, de la fonderie. Nice for you to visit. Tu m'as foutu les jetons! J'ai cru que c'était la magistrate. C'est un peu gênant, mais les insectes me fichent les chocottes. Ils ont au moins 6 pattes, quoi? C'est beaucoup trop. Pourquoi a-t-on besoin de tant de pattes? J'ai fait griller le champignon! Yeah! Une soupe végétarienne. Bon. Ah, il donne une autre mission. C'est délicieux. Ok. Il dit qu'il peut plus rentrer dans la bibliothèque depuis l'événement de la bouillabaisse. Ça, c'est drôle. Bon, assuré là. Ah, ici. Ça, ok, c'est autre chose, mais... Ashura, c'est quoi? C'est la Syrie. Je veux le plan de la Syrie. Il semble que je l'avais vu, le plan de la Syrie, puis j'avais pas l'argent. Mais tantôt, c'est vrai qu'il dormait. C'était peut-être ça le bug. Dude, t'es où? Ok. C'est tout? À la boutique ouverte X. Voilà, série basique. Bon. Oh mon dieu. Est-ce qu'il achète des choses? Zoom. Ok, fait que là, il va me manquer encore des sous. Ça, c'est qui ça? Ah, ça, c'est le pêcheur. Ah, il veut me parler depuis que j'ai pêché. Ok. Bon, on va aller faire la Syrie, coudon.
On va y aller étape par étape. Ben là, pour l'instant, faut que je fasse une série. Fait que dans le fond, ça me prenait les sous pour acheter le plan de la série à 100$. Fait que là, fallait que je... Là, j'ai pêché, puis j'ai... Fait que le jeu a l'air vraiment assez libre sur le moyen de faire de l'argent et tout. Sur ce que t'aimes le plus, ou... C'est cool qu'il y ait comme un côté chasse-pêche. En fait, mettons si je compare à Animal Crossing, où c'était quand même un peu ça aussi. Je trouve que c'est plus égal. Oui, tu as une ferme aussi, tu peux faire des choses, mais c'est ça. Je trouve que, mettons dans Animal Crossing, à un moment donné, quand tu veux faire de l'argent, ben tu fais juste du farming, puis that's it, parce que c'est ça qui est plus payant, puis... Là, j'ai l'impression que la chasse, la pêche, le farming, tout est un peu égal là, dans... Fait que tu peux vraiment choisir ce que t'as le goût de faire. C'est de même un peu qu'ils vendent le jeu aussi. Fait que je trouve ça quand même cool à date. Ouais, j'allais te montrer ça. Le chenou, ça ressemble à quoi? Je vais juste me le pointer parce que je me perds encore en map. Ah, je pourrais aller voir elle en passant, par exemple. Puis comme ça, ça va être... tout droit, après. Puis là, ben, le but, c'est... j'ai aussi une maison, dans le fond, qu'il faut que je construise. Fait que là, ça me prenait des planches, donc il fallait que je bâtisse ma première série. Fait que j'étais un peu en... Ma première série. J'étais un peu encore dans le... Dans le didacticiel, mettons. Knowledge is for those who seek it. Those seek it. Attends, hein, Akian, tu penses peut-être même pouvoir emprunter un livre ou deux. Faux! Le 13 unitaire palienne ne consiste pas à prêter des livres à tort et à travers. Le tuto, oui, le tuto. Non, la bibliothécaire, elle a gardé un savoir contenu dans ses ouvrages sacrés. Elle ne connaît pas les méthodes employées par les humains ou de là d'où tu viens. Mais nous autres, paliens, nous pensons que le savoir peut être source de grands dangers lorsqu'il se retrouve entre de mauvaises mains. Ah, ok. Voyons, Will. Allons, oust, maintenant, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Je cherche des recettes. Tu es prêt à jouer pour échapper à la situation. Je n'ai toujours pas réussi à enlever les taches du plafond. Il est vraiment nommé. Il n'y a que toi qui puisse sauver Kilima de la menace qui représente la laitue. Tu veux clairement dire ça. Très bien, tu peux en prendre un, mais un seul, tu le trouveras sur le talent. Et si une seule page revient tachée de tomates, ce sera un bannissement à vie pour vous deux. Mon Dieu, c'est bien intense. Fait que là, elle m'a dit... Ah, là, il y a un livre. Livre de recettes de luxe. Livre de recettes de dessert. Wow. Y en a-t-il d'autres? Je vais prendre les recettes de luxe. Là, ça, c'est qui, lui? Qui, c'est lui, Odari. Là, j'ai pas d'argent, c'est ça. Je vais peut-être aller essayer voir... Je peux-tu aller au bazar, vendre des choses? Puis je pourrais peut-être avoir le plan de la fonderie.
Je comprends pas comment vendre. Ok, ça c'est des. How are you liking Killima? Have a good day. Pardon, j'ai trop bu de jus rapidement. Je comprends pas comment vendre des trucs. On dirait que c'est juste par ma genre de boîte. Ah, peut-être si. Ah, regarde, tu vois, elle l'a acheté. Ok, c'est juste qu'il y a certaines affaires qu'elle achetait pas. Ok, bon, c'est cool. Bon, fait que là, je peux aller voir Odari, là. Salut, c'est Odari. Je vais parler à lui aussi. Chien! Donne-moi la patte. Je vais le caresser. Speak your business. Toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu croyais que j'allais te féliciter pour avoir bien fait ton travail? Chaque palier doit contribuer à la préservation de l'équilibre de la nature. Afin de préserver cet équilibre, je dois te donner ça. Les cernuques sont une source traditionnelle de viande depuis des générations à Killima. Mais les chapas ne font normalement pas partie de cet écosystème. Ils prolifèrent et détruisent la faune et la flore. Ça, c'est les genres d'écureuils. C'est vraiment nous aider une communauté de se redresser cette menace. C'est normal que vous nous aidiez avant que vous aussi, les humains, ne deveniez incontrôlables. Tu peux partir maintenant. Tout contact ultérieur peut se faire par courrier. Il est bien bête. T'as vu? As-tu vu tôt mon caniplume? À mes yeux, il est plus qu'un seul animal de compagnie. C'est mon précieux compagnon, mon ami. Préviens-moi si tu le vois dans la forêt. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je pense que oui, les paliens, c'est ceux qui viennent d'ici. Puis nous, on est des humains, ceux qui viennent d'ailleurs. Les paliens, j'imagine. Oh, Dari, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait de l'escalade. Zoup. Bonjour. Here? Here? Il paraît que la pioche que je t'ai donnée te sert bien. Si tu veux te perfectionner, c'est vraiment, ça va construire une fonderie. J'ai quelques autres assets en stock qui peuvent vous aider. J'ai dit un coup d'œil. Bah bah. Fonderie! Bon! Bye. Ok, fait qu'on peut grandir. Bon, ben, tant qu'à être rendu ici, on va aller. C'est sûr qu'il y a un moyen de courir, mais je me rappelle pas c'est quoi le bouton. Tigress Dominion, wow. Regarde le robot, comme il est beau. J'aime vraiment l'esthétique du jeu. Oh, I did not see you there. Comme c'est merveilleux, c'est-tu comment fonctionne un échange de marchandises entre deux parties consentantes? J'ai le plaisir de t'informer que je possède désormais une boutique de recettes dans laquelle tu proposes ce type d'échange. Oui, ils sont beaux, hein? Les robots sont vraiment cool.
Ah, qui fait qu'il y a des recettes, c'est super. Lui, il doit acheter les poissons, je créerai. Ok, c'est ça. S'il y a de l'argent qui est en dessous, je peux le vendre. Ok, c'est bon. Ok, bon, c'est cool. Bon, allons à la maison. Oui, c'est vraiment hot. Ouais, c'est un beau monde qu'ils ont créé, c'est cool. Je connais pas ceux qui font la compagnie qui font ça. Une petite recherche en parallèle, voilà. Voir si on fait autre chose ou. Ah, il est disponible sur PC déjà. Je pense. Mais il est pas disponible sur Steam encore, mais il est disponible sur PC. Que je m'en vais vers la bonne direction. Je suis mis. Wow, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis allé dans la boutique. Non, je veux pas payer les sous. Ah, je peux référer à un ami. Ça peut donner des choses. Oh, dont une super belle tuque d'écureuil. Zach, fais-toi compte. Ouais, je sais pas c'est qui. Écoute, sur le site web en plus, ils mettent pas mes mains de l'avant. C'est quoi le studio? C'est de voir en bas. C'est Singularity 6. Je connais aucunement cette compagnie-là. Si on clique. Ils ont l'air à se spécialiser dans les jeux en ligne, là. C'est écrit sur leur page d'accueil. On est une équipe de développement qui sont dédiés à l'idée que les jeux en ligne peuvent. Faire une plus grande, plus profonde et plus meaningful experience, genre. Player obsessed. Palia. C'est pas mal leur gros projet, ils ont pas l'air d'avoir d'autres choses. About us. Ils sont installés où? On veut savoir. On peut pas dire où est-ce qu'ils sont basés non plus. Eh ben. Oh, tuque d'écureuil, c'est vrai que c'est multi, on peut faire quoi ensemble? Sont à LA. Ok, sont à LA, t'as trouvé. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire ensemble vraiment. J'ai pas. C'est fondé par des vieux leads de Riot, donc League of Legends. Ah. En tout cas, ils ont l'air d'avoir des jobs opening, je sais pas en programmation, puis ils acceptent le remote. J'ai dit ça de même.
Ils ont là une belle philosophie d'entreprise, en tout cas. Je trouve ça vraiment cool. Ok, c'est le temps de faire notre fonderie et de faire nos affaires. Yeah! Voilà. Fonderie basique. Ah, qu'est-ce qui manque? Rien, ok. Pourquoi ça c'est préfabriqué mais pas ça? Ah, il manque 3 cuillères. Bon. Je les ai vendus tantôt. Faut que j'aille. Bon, fait que là, je vais installer la Siri. Je l'ai-tu dans mes. C'est quoi? Ouais, là. J'aime quand même l'objet, la façon de placer les choses dans le map et tout. Ça, c'est cool. Tu sais, avec toute la ligne, tu sais, la ligne qui se fait, là, ça fait vraiment un gros plus, une grosse croix. C'est cool. Tiens, je pense qu'elle va-tu rentrer là? Tiens, je vais en mettre la Siri. Fabriquer des planches. Ok. Ah, ok. Bon. Ok. Fait que je vais aller. Faut que j'aille tuer des chevrins. Ah, j'ai des graines d'oignon. Je vais les planter. C'est vraiment satisfaisant de faire ça. Yeah! C'est quoi? Je peux le boire, genre? Quoi? Manger. Je sais pas ce que ça fait avoir la concentration au max. Ah, ok. Ah. Ah, c'est cool ça. Puis là, je peux l'agrandir après. Ok, je pourrais prendre tout ça à un moment donné. Ok, 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 ok. Ça, c'est cool. Fait que je vais peut-être plus mettre ça ici. Pour avoir un peu plus de place. Oh, c'est cool. Bon, faut que je retourne à la chasse. Car j'ai besoin de cuir. Puis c'est pas ici. Je pense pas que j'ai de bonhomme. C'est quand même très low pace. On peut pas, genre, efficace. Genre, devenir efficace rapidement. Puis. C'est comme la côté MMO qui amène ça, là, d'aller chercher des missions, revenir. Mais le truc ensemble, je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait quand on est ensemble. À date, je vois pas. À moins qu'on partage notre maison, mais on s'assemble à être un joueur, une maison. Fait que je sais pas trop. Peut-être qu'on peut se concentrer sur la maison de un des deux si on veut, puis ça change rien, je sais pas. Merci pour ta patience. Tu seras bientôt chez toi. Hey.
Pardon. Voyons. Je crois qu'il faut pas disparaître, lui. Yes, sir. Combien ça en prenait? Je suis capable d'aller voir. Si on peut former un... Demander l'objet. Ah, on peut échanger des trucs. Ouais, c'est plus un... Ok, je vois un peu. Là. Je pense que ça me prenait 3 cuir, mais je me rappelle plus. J'ai regardé trop vite. Je vais essayer de nous empoigner au moins 3-4. Ding dong. Un chevreuil. J'ai besoin d'un chevreuil. Où est-ce qu'il y en a? Des chevreuils. Je voudrais un chevreuil. Chevreuil. Oui. C'est plus une genre d'antilope qu'un chevreuil. Bon, elle est disparue. Ah non, elle est. Ah, dans les fesses. C'est cool que le jeu bug. C'est super. Ça me donne de la réputation, les gars. Où sont les chevreuils? Ou les antilopes, c'est comme vous voulez. Ding, ding, ding.
On dirait qu'il faudrait que je le pogne. Une noctuelle de Kilima avec une étoile. Fait que ça, c'est comme une meilleure qualité qu'on peut mettre dans un terrarium, je pense. Ah, je... Ah, oui, on va. Ah! Niaisage. Il est disparu. À quel point je l'ai raté, mais ça va pas. Bon. Dans les faunes. Bon, je n'ai trois, je devrais être pas pire. Très cool, pogner niveau 2 de chasse quand même. Wow, je l'ai vraiment eu dessus. On l'a perdu. Dommage. Oh non. Je suis pas parti dans la bonne direction. Zut. Zut de zut. Ouh, une gros mi-patte bleu, blablabla. Ça m'écoeure. Wow, la grande roulade. Zut alors. Zach, toi, tu dois savoir qu'est-ce que ça veut... Qu'est-ce que... C'est quoi? Il y a un terme, je pense, technique en jeu vidéo pour ça. Tu sais, quand, mettons... Physiquement, ton personnage, il pourrait sauter par-dessus quelque chose, tu sais. Mais les concepteurs du jeu, ils voulaient pas, fait qu'ils ont mis comme une espèce de mur invisible, si on veut. Pour nous empêcher de le faire. Ce que je trouve cool dans ce jeu-là, c'est qu'on dirait qu'ils ont vraiment évité le plus possible de faire ça. Ce qui, je trouve, donne un sentiment de liberté vraiment plus grand. Que d'autres jeux où ils vont faire ça, genre. Je sais. En tout cas, tu dois comprendre un peu ce que je veux dire, mais. Tu sais, comme. Puis, ben, c'est sûr qu'ils ont enlevé, je pense, le falling damage de ça.
pour justement éviter que tu meurs de ça. Ce qui est une bonne idée aussi. Il s'appelle Perfin McMuffin. Oh non. Perfin McFirth. Bref. C'est un point positif du jeu. C'est des petits détails des fois, hein, mais tu t'en rends compte. C'est comme, ah ouais, je peux sauter par-dessus ça, cool. Ah, je peux sauter par-dessus ça, cool. Puis, en tout cas, bref. Ouais, c'est un peu old fashion les murs invisibles ces jours-ci, heureusement, mais c'est pas évident côté des événements de faire des mondes fermés sans que ça a l'air de. Ouais, c'est clair. C'est juste de pouvoir sauter par-dessus tout. Je trouve ça cool. Tous les objets, toutes les barrières, tu sais. J'en veux un planeur, j'ai pas le plan encore, je pense. Bon, j'ai-tu fait des... Travaux terminés. J'ai fait des planches. J'ai trop de choses dans mes... Autre chose dans mes poches. Non, 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 je sais pas. En fait, je vais crafter mon... La fonderie. Fabriquer des lingots. OK. Fait que là, êtes-vous en train de me dire que ça va me prendre 100 planches ou 100 briques? Je suis comme vraiment loin d'être capable de... Non, 100 planches puis 35 briques. Puis est-ce que c'est une planche à un bout, ça? Planche d'oubli nécessite... Ouais, une planche à un bout. OK, fait que... va falloir aller bûcher du bois, les chums, là. Ah ah ah. Elle est où ma hache? Elle est où? Il faudrait que j'améliore mon outil. Hein. Est-ce que je peux juste tuer des... Tuer? Pourquoi des petits arbres? Bon, là, faut que j'aille déposer des choses parce que... Ça fera pas. Viande grillée. Oh, hein, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Kenley! Doobie doobie, don't you? Ok, je suis désolé. Je
Je me trouve fucking drôle. Ken Lee! Un vieux meme de 2006! Je vois que tu n'as pas chômé, Ken Lee. Bien, très bien. Tu as quelque chose pour moi comme quoi? Un cadeau pour une pendaison de crayon, mais évidemment. Attends, je ne te suis plus là. Je crois que tu fais tout à l'envers. J'ai une brochette de champignons à ta main, si tu veux. Je vais dire qu'il fait tout à l'envers. N'est-ce pas ainsi que les êtres humains procèdent? Comme c'est curieux. Ken Lee. Tu vois, quand une personne emménage à Kilima, elle fait le tour des maisons avec des petits cadeaux pour ses nouveaux voisins, des friandises ou des jouets par exemple. Si tu as envie de recevoir une invitation à l'un des dîners de ma femme, je te conseille de te faire connaître. Ok, il y a comme une joute politique là. Faut donner des cadeaux. Là. J'ai fait une brique, bravo. Bon, fait qu'on va aller faire du bûcher du bois. Bûcher du bois, bûcher du bois. Ils ont quand même vite le bois. Hein. Sur un arbre de 1, ça a 10 bouts de bois. C'est quand même chill. Voyons. Pourquoi je peux pas. Je suis là, voyons, je suis pas assez proche. Je suis pas assez proche. Je suis pas assez proche. Champignons. Doubi doubi d'artu. Ken Lee. Il est anymore. Ken Lee. Doubi doubi d'artu. Ken Lee. Ok, c'est bon, faut que j'arrête. J'aimerais peut-être asseoir, me rendre à avoir la maison construite, mais ça va être long, je pense. Là, il y a deux choses que je sais pas. C'est est-ce que en dehors du jeu. J'ai 69 bouts de bois. Lol. Est-ce que en dehors du jeu, ça continue de couper, genre? Ça serait fun de se réparer. En tout cas. Bon, une chose est sûre, c'est que j'ai assez, je pense. Non. Fait
Fait que là, il manque 78 bois. Planche, puis là, j'étais à 74 plus 2. Fait qu'il manque juste 2 petits bouts de bois. On va aller faire ça. Comme ça, je vais être sûr d'avoir ce qu'il me faut pour ma maison. Je vais aller faire un petit calcul mental quand même. C'est 35 qu'on voulait. Tiens, bon. Là, on a assez de bois en route. Après ça, pour ce qui est de la brique, c'est une pierre. Non, deux pierres pour une brique. Ah, fait que là, ça prend bien plus de bière. Ça va prendre 70 pierres au moins. Ok. Donc, on va aller faire ça. Je pense qu'on va récolter ce que ça prend pour la maison. Ça, c'est un trop gros tas de pierre, ça marche pas. Éventuellement, il faudra améliorer les outils. Parce que... Tic. Tac. Tic. Ça va être ça pour la soirée, je pense. Il y a aussi une mission comme un peu plus sur l'histoire du monde que je pourrais aller voir. J'ai comme un genre d'artefact que j'ai trouvé sur ma maison que j'avais porté à la madame. Je pourrais aller faire ça avant de terminer. Là, je vais juste ramasser le plus de pierres possible. Et après, on pourrait même aller raider quelqu'un. Si jamais vous avez des idées pour un raid, ceux qui sont en stream. Et si vous êtes sur YouTube, c'est dans le petit commentaire. Vous avez aimé ça? Est-ce que vous aimez le jeu? Est-ce que vous aimeriez avoir d'autres vidéos? Faire rouler pendant que vous vaquez à vos occupations. Encore quelques pierres. L'école se passe quand même bien, pas trop chiante. On est rendu. Bon, ben, fait que là, j'en ai plus que. Il en faut. Mais je vais quand même me faire plus de bruit. Fait que là, je vais aller starter ça. Je me demande si je suis déconnecté. Ça avance ou faut. C'est juste du temps in-game. C'est ce qu'on va voir. Avec le temps que ça prend, ça m'étonnerait que ce soit juste du in-game time, mais c'est possible. Donc, on a une grosse pile ici. On va la déplacer. Bon, fait qu'on va laisser ça travailler. Puis, ouais, je vais aller. Dernière affaire, je vais juste aller voir qu'est-ce que c'est.
T'as une grosse tortue qui mine pour toi. Bon, c'est ça, hein, le monde qui joue à Palworld. Fait que juste pour voir un peu c'est quoi l'histoire principale du jeu, je pense qu'on pourrait terminer avec ça. Juste aller voir un peu qu'est-ce que c'est la mission. En tout cas, la suite, là, la découverte de cet artefact que j'ai fait au tout début du jeu. Mais on est vraiment très relax. C'est même plus relax qu'Animal Crossing, je dirais. Très low pace. J'ai hâte d'essayer des trucs multijoueurs, voir qu'est-ce que c'est cool, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qui va être cool. Mais à essayer, ouais, à aller plus en profondeur. Je vais faire d'autres streams sur ce jeu-là. Il est pas kické out encore. Bon, quête. Un objet mystérieux. Tiens, je vais juste dip. Plugger les autres, même. Donc on va aller voir quel est le mystère de ce mystérieux artefact. Ouais, c'est cool pour vrai. Niveau qualité, pour vrai, là, on n'est pas. Il y a des jeux payants qui sont pas aussi beaux, je dirais. Comme je disais tantôt avant que tu arrives, Zach, il est quasiment plus beau que Pokémon, le dernier Pokémon. Je sais pas qu'il y a les animations les plus fluides, mettons, mais je trouve que niveau design, en tout cas, il est beau. Puis ils ont créé un beau monde, je trouve aussi, quand même vivant. Ce qui est très intéressant pour un MMO, là. C'est pas un jeu, comme c'est quand même tranquille, c'est peut-être pas un jeu où je jouerais justement à comme 6 heures d'affilée, là. Il peut avoir du. Ah. Ok, il faut faire le tour. C'est quelques heures. Surtout si aussi le. Ça roule hors du jeu, là, pour faire les. Le crafting. C'est les genres de ruines de par où on est genre arrivé dans ce monde mystérieux. Puis c'est elle qui nous a vus en premier. Je suis content de te revoir, ton installation. C'est pas vrai, en fait, j'ai trouvé un objet qui pourrait t'intéresser. C'est vrai, quoi donc? Oh, pince-moi, j'arrête. C'est une ancienne batterie d'ondes. Les humains d'autrefois s'en servaient comme source d'énergie. Cela faisait si longtemps que j'en cherchais une. Et tu affirmes l'avoir trouvée sous un vieux tas de déchets? C'est sûrement le destin. Je n'ai jamais cru au destin en soi, mais c'est une sacrée coïncidence. Il me faudra sans doute un peu de temps pour comprendre ce que ça fait. Je t'envoie une lettre dès que j'en sais un peu plus. Ok, fait que on s'en en sait pas plus que ça. Je dois bien reconnaître que j'ai eu de la chance avec toute cette histoire d'êtres humains qui surgissent de nulle part. C'est le sujet idéal pour ma thèse, mais il faudrait d'abord que je comprenne pourquoi c'est arrivé. Eh ben. Et ben voilà. C'est le mystère. Et qu'on en saura un peu plus peut-être la prochaine fois qu'on va jouer. Je sais pas à quelle fréquence il y aura ces petits jeux-là, mais en tout cas, jouer cassé, jeu gratuit, on essaie de ça. J'essaie de vous sortir le plus possible des jeux gratuits, puis de vous les montrer. En tout cas, pour Parlia. C'est un. À essayer, je vous dirais, si vous aimez ce genre de jeu-là. Je vais me mettre dans la belle ambiance de nuit en just chatting. Puis on va se faire un petit raid si y a quelqu'un d'intéressant que je voudrais peut-être raider. Je vais regarder. Non, tout le monde joue à Palworld. Je pense qu'on va peut-être
Laissez tomber l'idée du raid pour aujourd'hui. Donc, c'était ça pour ce petit swing sur Palia. J'en ferai d'autres. Donc, n'hésitez pas à commenter aussi si vous êtes sur YouTube, à faire votre petit coucou, me dire aussi vos expériences sur le jeu. Si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, pourquoi vous l'avez aimé, pourquoi vous l'avez pas aimé. Puis j'en serai sûrement au moins un autre stream sur le jeu pour aller un petit peu plus en profondeur. Tu sais, voir qu'est-ce qui se passe quand on finit notre maison, par exemple, des choses comme ça. Puis on s'en reparle. Merci beaucoup, puis passez une belle fin de journée.